Bonjour mes enfants, ravi de vous revoir. Alors, on est dans la composante de lecture. On passe maintenant à l'exercice d'entraînement. On va prendre le cahier d'exercice numéro 1 et on va les ouvrir sur la page 70, 7 et 0, comme vous voyez sur l'image. On va faire l'exercice, s'il vous plaît, regardez, on va faire l'exercice 3 et 4. Je vais vous les expliquer, suivez avec moi. En commençant par l'exercice 3. Colorie de la même couleur les mots qui ont la même syllabe. Ici, vous avez des mots. Vous précisez ceux qui ont la même syllabe et vous les coloriez de la même couleur. Par exemple, vous prenez le jaune et vous coloriez tous les mots qui ont la même syllabe. Et vous choisissez après une autre couleur, ainsi de suite. Je vais vous lire les mots. Vous avez un flocon, une planète, les flots, un cliché, un platane, une clinique, la flore, aplati, il décline. Alors, par exemple, un flocon, on entend flot. On cherche les mots qui ont la syllabe flot. Par exemple, la flore, on a aussi flot. Alors, le mot flocon et le mot la flore, on va les colorier de la même couleur et on cherche s'il y a aussi d'autres mots où on a flot. Et on passe au mot une planète, on a plat, plat. On cherche tous les mots où on trouve la syllabe plat et on les colorie de la même couleur. Par exemple, on choisit le rouge, ainsi de suite. On passe maintenant à l'exercice 4. Relie les mots à la syllabe que tu vois. Vous devez prendre vos règles et vos stylos bleus et vous relier les mots aux syllabes que vous entendez. Par exemple, vous avez blizzard. On entend bla, ou bien pli, ou bien cla, ou bien bli. Vous reliez le mot à la syllabe que vous entendez. Classe, qu'est-ce qu'on entend? Bla, pli, cla, ou bien bli. Plissé, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend bla, ou bien pli, ou bien cla, ou bien bli. Vous avez aussi blague, qu'est-ce qu'on entend? Bla, pli, cla, ou bien bli. Et enfin, replier, qu'est-ce qu'on entend? Bla, pli, cla, bli. Voilà mes enfants, soignez vos devoirs et merci.